Plagiat T-Bone Shape. Oh non! On a trouvé mon secret! Pour la FAQ, saute dans un lac ou dans ta piscine habillée. Hey! Salut à tous mes petits poulets, c'est Geekmap, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'FAQ 5. Ouais, ça faisait longtemps, ouais. Vous avez été nombreux à me poser des questions et des défis. Tout simplement, ben, je vais les réaliser, quoi. Et j'espère ne pas me taper lente, parce qu'à chaque fois que je fais une nouvelle FAQ, je me tape lente. Regarde, exemple. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Ouais ouais, j'étais pas fier de moi non. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous voulez un FAQ numéro 6, mes poulets, tout simplement à 10 000 likes, ben je ferai un nouvel épisode des FAQ tout simplement. Allez, 10 000 likes, vous pouvez le faire mes poulets. Et n'hésitez surtout pas dès à présent à me poser des questions en commentaire pour les FAQ numéro 6 quoi. Et surtout n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Enfin, vous pouvez me poser des questions et des défis, hein, ça peut faire les deux, t'inquiète. Et puis sur ce, ben, c'est parti. Alors tout simplement pour la première question, montre ton lit. Ouais, d'accord, on va faire un truc. Moi on va dire je suis une personne très bordélique. Ouais ouais, ça se voit pas comme ça ou ça se voit, mais voilà, je suis une personne très bordélique, ouais. Parce que là ça se voit pas comme ça la caméra, parce que ça coupe là, mais là il y a des vêtements en fait. Bon, ne vous inquiétez pas, ils sont pas en bordel les vêtements, ils sont bien rangés comme il faut, mais bon, ils sont sur mon bureau quoi. Et on va dire que j'ai toujours la flemme de les ranger dans l'armoire quoi, du coup ils restent là et quand j'en ai besoin, ben j'en prends. Bon sinon, est-ce que je vous montre oui ou non mon lit? Bon, d'accord. Attention pour voir mon lit, attention. Voilà, c'est mon lit, tout simplement. voilà. Bon, il est pas en bordel, mais bon, si je serais alarmé, voilà, je me ferais engueuler, quoi. As-tu des animaux? Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup trop même. Ah, tu me crois pas? Ok, bah alors tout simplement, j'ai 7 chiens, 4 chevaux et 24 poissons rouges. Ouais, ouais. Et ça compte, c'est des animaux. Enfin, plutôt des poissons, mais des animaux. Voilà, c'est tout. T'as déjà fait hein, le sol, c'est de la lave? Ah, bah oui, j'ai déjà fait. Si tu regarderais mes vidéos, j'ai fait un épisode dessus. Et en plus, je regardais même vos The Floor is Lava. Donc, toi, ça se voit, tu regardes pas mes vidéos, hein. Ça va, je peux te pardonner. Donc, la réponse, oui, j'ai déjà fait des The Floor is Lava. Hein, tu veux que je te montre? Ok, je te montre. Si, techniquement tu fais ça, ça non. Bâtard! Ouais, il m'a littéralement poussé dans l'eau, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, je lui en veux pas. Geekmap, pourquoi tu ne mets pas d'autres images sur ton fond vert? Eh ben, tout simplement, mon fond vert. C'est vrai que je m'en sers pas trop pour faire des effets, mais plutôt pour m'incruster dans le décor de mes vidéos. Mais si t'as envie que je t'en mette des trucs, je vais t'en mettre des trucs, hein. Regarde, par exemple, j'ai juste à faire ça, et hop, j'ai le décor de mon fond vert, hein. Vidéo setup prochainement. Et aussi, je te fais ça, et hop, t'as la bataille de Voldemort et Harry Potter, hein. Et le pire, hop, je te fais ça, et hop, t'as un film de... Ah non, on va couper ça, ouais. Question suivante! Tu as une femme, oui ou non? Non. En fait, j'ai plus de meuf depuis que mon ex m'a demandé de choisir entre elle ou YouTube. Je suis parti faire un montage. Oh, aimes-tu twerker? Moi, non. Mais mon ex, quand tu as dit 10 Siri, mon Siri s'est mis en marche. Non. Oh non. En fait, ça veut dire si vous regardez une vidéo depuis un iPhone, en fait, juste à dire 10 Siri, est-ce que t'aimes le KFC? Et en fait, ça doit répondre. Oh non, c'est classe. Et au fait, on va lui demander 10 Siri, est-ce que t'aimes le poulet? Les remparts à Castillonnet semblent servir de la nourriture de type poulet et à une moyenne de 4 étoiles et demi. Est-ce bien ce que vous recherchiez? Non. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Non, t'as rien trouvé. Là, y a rien marqué. Tout ce que t'as trouvé, y a rien marqué, oui. Je me saoulais là. Comment es-tu devenu YouTuber? Alors là, c'est une très longue histoire. Bon, d'accord, je vais vous la raconter. C'était en septembre 2013, oui, le jour de la sortie de GTA V, ou en fait, le jour même de la sortie du jeu, j'avais trouvé le dirigeable atomique, tu vois, le truc super nul en ce moment. Et en fait, j'étais tellement content d'avoir trouvé que je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, tu vois, et voici un petit exemple. Salut à tous, c'est Geekmap, je suis avec Exolex. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma toute première vidéo sur GTA V. Mais en fait, eh ben, c'est comment trouver le dirigeable. Oui, tu vois bien la voix de Kikou, et en plus, je filmais avec une caméra
date de merde, je m'en rappelle. Et puis voilà, c'est tout a commencé par là en fait. Ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé avec une vidéo de GTA 5 et là, je suis en train de faire une vidéo FAQ. Tu vois la différence, mon gars, c'est impressionnant. Ah là là. Eh, je vous ferai une vidéo un jour où je regarde mes anciennes vidéos. Et là, on va rigoler, mes poulets. Ah, dites-moi en commentaire, mes poulets, si vous voulez qu'on regarde mes anciennes vidéos. Ça peut être drôle, ouais. Pourquoi tu t'es appelé Geekmap? Alors, c'était en septembre 2013. Non, franchement, ce pseudo, je l'ai trouvé d'une façon la plus débile possible. En fait, il y a 3-4 ans, je jouais à Minecraft. Et tout simplement, j'étais en train de construire je sais plus quoi. Et d'un coup, il y a deux personnes qui se tuaient, tu vois, et j'étais dans leur groupe et j'entendais les voix et tout ça, en fait. Et d'un coup, un mec était tellement en train de rager qu'il a dit « Ouais, mec, arrête de geeker sur cette map !» Et d'où vient mon pseudo? Voilà. Eh, je vous l'ai dit que c'était la façon la plus débile, hein. Montre comment tu fais ta coiffure. Alors, ma coiffure. Donc, malheureusement, je peux pas vous montrer comment je fais ma coiffure parce que simplement, ça prend une heure à faire. Non, c'est pas vrai, non. En fait, le truc, c'est que je me coiffe jamais, en fait. Dès que je sors du lit, j'ai cette coiffure-là, en fait. Ouais, cette coiffure de merde. Voilà. Pour la FAQ, saute dans un lac ou dans ta piscine habillée. D'accord. Plagiat Thibaut in shape. Oh non! On a trouvé mon secret! Je pensais que personne trouverait mon secret. Impossible! Maintenant, dès à présent, je vais être obligé de vous le dire. Je vois pas pourquoi tu dis ça en fait. Je plagie Thibaut in shape. Mais en quoi? Je sais pas, faut trouver. Non, c'est pas ça. Au début de vidéo, je fais pas day, je fais hey. Je sais pas. Lui, il mange riz d'Inde, moi je mange riz poulet. Non, sans blague, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent plagier Thibaut in shape. Mais en fait, le problème, c'est que je vois pas pourquoi. Si c'est le fait qu'il vit dans le sud et que moi aussi, franchement, ça se fait pas, ok? Donc, pour répondre à ta question, non, je ne plagie pas Thibaut in shape. C'est vrai que c'est l'une des personnes que j'aime bien sur YouTube, hein. Parce qu'il donne de la motivation aux gens et c'est vraiment un truc qui manque sur YouTube. Et heureusement qu'il est là pour ça, quoi. Que malheureusement, sur YouTube, il y a plus de gens qui attisent la haine qu'autre chose, en fait. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ah oui, je viens de trouver! Je viens de me rappeler que j'avais fait une petite vidéo pour l'occasion du concours qu'avait fait Thibaut in shape, tu vois. Dame les gens, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça m'étonne pas pourquoi il m'est pas pris, parce que vu la malaisance du truc, ouf, voilà. Bref, le seul truc où je voudrais bien plagier Thibaut in shape, c'est simplement avoir les mêmes muscles que lui, bordel. Parce que là, y a pas muscle. Chien là. Et bien voilà mes poulets, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Donc c'est à dire j'ai créé un serveur Discord pour qu'on puisse parler ensemble, tu vois, ça va être cool, tu vois. Donc le lien du Discord sera dans la description. Comme ça permettra qu'on puisse discuter, rigoler, s'enjailler, tu vois, tout ce que tu veux. Allez, je t'attends. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez un autre épisode d'une FAQ numéro 6 simplement, et bien tout simplement à 10 000 likes, et bien je ferai un 6ème épisode. N'hésite pas à me poser des questions et des défis en commentaire pour que je le sélectionne et que vous passerez dans mes vidéos tout simplement. N'hésite pas à me suivre sur mon Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook, je suis très actif en plus. À activer les notifications pour voir mes vidéos avant tout le monde. Et puis sur ce, mes poulets, je vous dis. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. BOUM! Abonne-toi.